J'ai commencé par la lutte. Je fais de la lutte depuis que j'ai 12 ans. J'étais championne de lutte. Et j'ai commencé le catch il y a maintenant. J'ai fait mon premier match en 2016. Ça sera ma 7e année. Comment on en vient au catch? Alors moi j'ai commencé à regarder le catch, j'avais 9 ans à la télé et je suis de suite tombée amoureuse de ce sport et je voyais les filles. Et ce que j'ai aimé le plus, je crois, c'est le contraste de ces femmes qui étaient super féminines, sexy, très coquettes et qui, à côté de ça, sur le ring, étaient des machines super badass à se taper dessus, à faire des sports de combat. J'ai toujours été attirée par les sports de combat, je viens d'une famille de lutteurs. Donc c'est pour ça que j'ai commencé avec la lutte et pour moi c'était au final rien qu'en regardant c'était une évidence quoi. Oui, ça fait mal, ça fait très mal. Faut savoir que sous la bâche que vous voyez sur le ring il y a des petits tapis mais en dessous c'est des planches de bois. Donc quand on chute, chaque chute, on sent chaque chute, les coups on les sent, tout fait mal. Moi je rentre chez moi, j'ai des bleus de malade parfois, je me suis déjà blessée. On fait pas ça chez soi, ni à l'école. On est des professionnels, on apprend à chuter justement pour limiter les dégâts. Mais on sait tous qu'à la fin de notre carrière, notre corps prend un sacré coup. Alors il y a eu plusieurs femmes qui m'ont inspirée pour commencer, comme Victoria, qui était à la WWE. Mais mon mentor dans le business est français. Il a été à la WWE aussi, et dans toutes les grosses... entreprises dans le catch en France et dans le monde. C'est Tom Laroufa, il sera là ce soir. Et c'est mon mentor depuis que j'ai commencé le catch. Il me guide depuis le début et il me suit. C'est mon entraîneur, mon mentor. C'est beaucoup d'émotions en fait parce que c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas comparer à d'autres choses que je fais dans la vie ou que je ressens dans la vie. C'est vraiment... un ressentiment particulier, une expérience particulière, le fait de communiquer, de partager avec la foule, avec les gens, c'est vraiment un partage d'émotions, on leur fait ressentir des choses mais ils nous le rendent, c'est vraiment un échange en fait entre le public et nous en tant que catcheurs, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Comment ça se passe entre les catcheurs dans les coulisses, comment le rapport que vous avez les uns aux autres? C'est beaucoup de respect, parce qu'on sait, on est tous dans le même bateau, on sait que le train de vie est difficile, le catch, le combat sont difficiles, les corps en prennent pas mal, on souffre tous après nos combats et tout ça, il faut tout le temps s'entraîner tous les jours, surveiller sa diète, et c'est énormément de sacrifices, donc entre nous c'est beaucoup de respect parce qu'on sait tous ce qu'on traverse et pourquoi on est là. Alors pour les jeunes qui voudraient faire du catch, je vous encourage forcément tous à commencer et à vous lancer, c'est un très beau métier. Je vous conseille tous de faire des sports de combat avant comme la lutte ou le judo parce que ça aide énormément et à vous entraîner dur et à rien lâcher parce que c'est pas facile, mais c'est magnifique. J'ai commencé pour le show de Noël, ça fait quelques mois quoi. Et comment et pourquoi est-ce qu'on devient arbitre de catch? En vrai ça dépend des personnes, hein. On a chacun des raisons différentes. Mais après c'est surtout parce qu'on aime le catch et tout, donc chacun trouve un peu son équilibre quoi, ce qu'on préfère faire quoi. Tu fais du catch à côté toi? Ouais, je fais du catch. Et t'as un idole, hein, quelqu'un qui t'a donné envie de faire ce métier, hein. Ouais, je pense un peu comme tout le monde, hein, quand on regardait le catch et tout, on voulait toujours faire comme eux en fait, devenir comme eux. Et il y a une personne qui m'a vraiment donné envie en fait, et c'est Ronda Rousey. Qu'est-ce que ça te fait d'être là aujourd'hui à cet événement là? C'est la première fois pour toi ici? Ah ça, déjà c'est incroyable d'être là, c'est trop bien. Et c'est la première fois que j'arbitre ici en fait à Saint-Bonnet. Et c'est trop bien. En vrai, allez-y, hein, c'est trop bien que maintenant plus en plus de femmes se lancent en fait, que ce soit catcheuses, arbitres, peu importe. Mais franchement, lancez-vous, hein, c'est trop bien.